J'ai essayé d'œuvrer pour une société où il y ait, je dirais, plus de place aux habitants, où on soit dans une démarche de citoyenneté, de développement durable ou de territoire en transition. Je me suis engagé en politique chez les Verts. Et dans ce mandat municipal qui s'intitulait « Démocratie locale et citoyenneté », j'ai demandé à intégrer le volet du numérique pour faire en sorte que, sur cette question-là, dont je pressentais qu'elle allait avoir de l'importance, qu'on puisse développer une politique du numérique qui soit une politique également de lien social, de vivre ensemble et d'augmentation du pouvoir d'agir. Ce que je te raconte, c'est construit sur 19 ans de politique publique, sur 3 mandats. La première logique, c'était de faciliter l'accès à Internet. Ce que nous avons développé, c'est une politique du faire avec. C'est-à-dire qu'on a expliqué qu'on voulait faciliter l'accès et que cet accès devait pouvoir trouver sa place dans des lieux ordinaires fréquentés par les habitants. Donc la logique que l'on a développée, c'est cette idée de PAPI, de point d'accès public à Internet, dans des lieux existants, dans lesquels on prenait en charge l'équipement matériel, mais ça rentrait dans les activités du lieu comme d'autres activités proposées par un centre social, une maison pour tous. Aujourd'hui, donc ça fait quand même 15 ans que ça existe, on est à 108 PAPI sur Brest, une ville de 140 000 habitants. Et il n'y a pas un seul équipement de quartier, maison pour tous, centre social, pas trop, qui ne soit pas PAPI. Il y en a partout. Donc depuis 10 ans, il y a déjà aujourd'hui un PAPI à moins de 400 mètres de chez soi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette logique du faire avec, les gens vont à leur rythme. Dans la vision, je dirais un peu jacobine, on dira on va faire du numérique dans les bibliothèques quand toutes les bibliothèques sont d'accord. Alors que nous, la logique, c'est de dire bah, on y va. Dans celle qui est prête à le faire, et puis les autres avanceront à leur rythme. Le deuxième volet, c'est être en intention. Sur un territoire, il y a plein de gens qui ont des idées et qui ont envie de faire des choses. Et donc, on a mis en place sur Brest un deuxième volet qui est un appel à envie. Plein de gens portent des initiatives et ne demandent qu'à pouvoir effectivement s'impliquer, faire des choses. Et aujourd'hui, on en est à ce que l'année dernière, en 2013, on a reçu 50 propositions dans l'appel à projet et 49 ont été retenues. Tous ceux qui ont envie de faire ont la possibilité de faire. Et donc ça, c'est un deuxième élément un peu structurant de la politique, c'est être en attention, regarder autour de soi, et plein de gens veulent faire. Et le rôle d'un élu n'est plus tellement d'être prescripteur, mais d'être plus en situation d'animateur, d'accompagnateur, de développement de ce qu'on appelle le pouvoir d'agir des personnes. Le troisième volet qui paraît ça, mais qui est en fait une des choses les plus difficiles, c'est le donner à voir. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait quelque chose, l'amener effectivement à raconter ce qu'il fait et le donner à voir publiquement. Si ce que vous faites est important pour vous, si c'est important pour les élus qui soutiennent le projet, il n'y a pas de raison de ne pas le donner à voir à tout le monde. Et cette idée de donner à voir, elle n'est pas si simple que ça, parce qu'à l'école, on nous a appris à cacher notre copie, alors que là, on veut apprendre à copier. Et donc, est-ce qu'on est dans une logique de partage ou est-ce qu'on est dans une logique où on cache notre copie pour être tout seul à le faire et garder, soi-disant, un cran d'avance? Eh bien, cette logique de coopération, elle n'est pas évidente. Le quatrième, l'outillage. L'outillage, c'est aussi important dans le domaine du numérique. Il est important que les gens puissent effectivement manipuler les outils. Et donc, on a mis en place toute une série d'ateliers. Et quand tu fais des ateliers, ben, tu outilles les gens. Les gens se rencontrent, qui sont intéressés par le même outil, et les gens après échangent. Donc outiller les gens et les rendre autonomes, c'est important. Donc là, on l'a fait dans ce domaine-là, on l'a fait pour les radios de quartier, on a créé des outils comme le Mediablog, qui permet de publier facilement de l'audio et de la vidéo, et on a eu plusieurs centaines de sites d'expression venant de lycées, d'écoles, de collèges, d'associations, qui ont pu comme ça s'exprimer avec des outils développés par la collectivité mis à disposition gratuitement. On a sur Brest 2 fermes de services, c'est-à-dire des associations qui ouvrent des blogs, des listes de diffusion et toute une série d'outils du numérique gratuitement à la disposition des habitants. 5e volet, si je compte bien, était celui des biens communs. On a fabriqué un CD qui était facile d'usage et qui permettait d'avoir tous les ingrédients de bureau disponible aux habitants. Dedans, il y a tous les logiciels de traitement de texte, hein, donc OpenOffice, les logiciels de navigation comme Firefox, courrier électronique comme Thunderbird,
puis des logiciels de musique, des logiciels de création. On a fait un produit qui a été diffusé à 300 000 exemplaires. Et à partir de là, donc, on a lancé un deuxième projet qui s'appelle Wikibrest, qui est donc à la mode de Wikipédia. On s'est dit, si Wikipédia marche dans une écriture complètement ouverte, essayons de faire une écriture sur le vivre ensemble, le patrimoine, toute la richesse au sein du pays de Brest. Et donc on a lancé ces carnets d'écriture collaborative qui aujourd'hui ont dépassé plusieurs millions de pages vues. On a un millier d'articles, on a plusieurs milliers d'articles en ligne, un millier de contributeurs qui, à un moment ou à un autre, ont écrit quelque chose sur Wikibrest. Et ça nous a amené en 2009 à créer la semaine Brest en bien commun. Pendant toute une semaine, eh bien, tous les gens qui veulent interagir sur les questions des biens communs proposent des initiatives et on a 10, 20, 30, 40 initiatives dans la ville sur les biens communs numériques essentiellement, mais aussi sur les semences ou sur d'autres sujets qui ont trait aux biens communs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2009 et 2011, on l'a fait un peu tout seul à Brest et en 2013, c'est devenu Ville en bien commun avec 30 initiatives en France autour des biens communs et ça va être reconduit en 2015 à une échelle, cette fois francophone, plus large encore que l'échelle des régions. L'étape suivante après, c'était la formation aux pratiques collaboratives, c'est-à-dire qu'on a commencé à avoir donc, tout ce cycle que j'ai décrit et maintenant il fallait mettre les gens capables de développer des projets coopératifs eux-mêmes. Et donc pour ça, donc, on a utilisé une formation menée par Outils Réseau, qui s'appelle Animacop, et on a commencé à former à l'animation de projets collaboratifs, c'est-à-dire que les gens prennent du recul sur ce qu'ils font, qu'ils aient des outils méthodologiques pour animer un groupe, pour développer des pratiques collaboratives, et aujourd'hui, on est à 100 personnes formées sur le territoire, sur les pratiques collaboratives, ce qui a permis de faire émerger de nouveaux projets qui maintenant émergent de façon complètement autonome par rapport à la collectivité. Et c'est pour ça qu'il était possible aussi facile maintenant d'arrêter mon mandat d'élu, parce qu'il y a des dynamiques locales. J'ai choisi de faciliter la coopération et le partage. Donc moi, ce qui aujourd'hui me motive, c'est ça. En arrêtant d'être élu, je viens de créer 3 sites contributifs. Un sur l'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur, où tout le monde est amené à partager ses innovations. À Télécom Bretagne, on a mis 40 innovations en ligne. Donc s'il y en a 40 dans mon école, ça veut dire que sur les 4 universités de Bretagne, il y en a 1000. Si on prend toute la France, il y en a 10 000. Pourquoi nous, on ne les partagerait pas ? Sur Bretagne Créative, mettons des milliers d'innovations en ligne. Sur pratiques collaboratives, apprenons à former à la coopération. Donc moi, ce qui me motive, c'est ça, c'est apprendre à coopérer dans un esprit de partage, et de faire en sorte que les contenus de formation soient réutilisables, on avance beaucoup plus vite à plusieurs. C'est un chemin très long, parce qu'on est on n'est pas dans tout ce que je te racontais, on n'est pas dans la technologie, on est dans des changements culturels. Partager, copier, mettre en bien commun, c'est rien. Pour que le site devienne un Creative Commons, tu le mets au bas de ton site, et tu dis, voilà ce que je fais, il va être partagé. Tu préviens les gens qui écrivent que quand ils écrivent, par défaut, c'est partagé. C'est rien, techniquement. Par contre, expliquer que c'est important que ce qu'on fait puisse être réutilisé par d'autres, ça demande effectivement une réflexion. Je travaille dans une école d'ingénieurs qui s'appelle Télécom Bretagne. On a créé un site dans lequel les cours qui sont rendus publics sont tous en Creative Commons. Et aucun professeur n'a refusé. Mais il faut l'expliquer pourquoi on le fait. Et les gens en général sont prêts à accepter. C'est plus, je dirais, du côté des institutions, des dirigeants qui a des difficultés, parce que c'est un changement culturel. Partout, dans tous les territoires, dans tous les domaines, il y a des gens qui aspirent à partager, à coopérer. Donc il faut s'appuyer sur eux. J'ai tendance à dire aussi qu'il faut éviter les zones pathogènes, les zones de pouvoir. Il faut faire avec les gens qui ont envie de faire, les accompagner, diffuser, essayer de passer à l'échelle quand c'est possible, mais pas passer d'énergie à convaincre les gens qui ne veulent pas être convaincus. Les territoires en transition, on le fait avec les gens qui ont envie de cette transition, et puis petit à petit, on essaye de gagner la majorité. Ce qui marche à Brest aujourd'hui sur la gouvernance contributive dans le domaine du numérique pourrait marcher dans l'économie sociale et solidaire, dans la solidarité internationale ou dans d'autres actions. Et c'est aussi parce qu'on a
le mot contributif a fait sens aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens utilisent Le Bon Coin pour vendre un appareil ou acheter quelque chose, ils utilisent Airbnb pour se loger, etc., ou le covoiturage. Donc on est dans une société qui est transformée par nos usages du numérique, dans lequel effectivement cette idée de société contributive fait sens. Et donc ce que je peux raconter ou expliquer aujourd'hui peut s'appliquer à autre chose que le numérique. Et donc je fais un petit peu un plaidoyer pour une société contributive qui soit un peu complémentaire d'une société participative, comme certains l'évoquaient autrefois.